imaginer un bagarre comme ça. Il y a certains qui sont tombés, mais ils ont été écrasés par des bras, par des jambes, des coups sur la tête. Et la télé a montré tout. Donc moi, j'étais devant la télé, j'étais gelé, je dirais. Donc j'étais avec ma fille, j'ai demandé qu'elle sorte, qu'elle ne regarde pas ça. Et là, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots par rapport à ce que j'ai vu. C'est sûr qu'il y a une petite partie des ultras qui sont violents. C'est pas souvent qu'il y a des choses comme ça, parce que souvent il y a la police sur place. C'est pas d'excuses, mais si la police militaire, elle était dans le stade avec la ligne d'isolement qui existe, ça pouvait pas arriver.